Franchement, ce portrait, il est magnifique. Ça représente tout tapis. La classe, le charisme, tout quoi. Jean Bouin, ça devrait s'appeler Bernard Tapie, et plus Jean Bouin. Pour les personnes comme moi qui ont presque 44 ans, c'est toutes les années 90 qui ressurgissent. Le boss, celui qui a amené l'OM au sommet, celui qui ne fera jamais à rester à jamais les premiers. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a été champion du monde en 1998. C'est lui qui a fait émerger les Deschamps, les Basile Boli. Outre le trophée, c'est quelqu'un qui animait la sympathie, qui savait se faire respecter, que ce soit dans le monde de la politique ou dans le monde de l'Olympique de Marseille. Un homme qui s'est battu dans tous les combats, jusqu'au dernier, malheureusement, on savait qu'il n'allait pas le gagner. Même quand il s'est fait agresser il n'y a pas longtemps, il a tout de même ouvert sa bouche et même attaché au lit, il a voulu défendre sa femme. C'est fou d'être là, ici, sachant qu'il n'est plus là, quoi. Je pense au 26 mai, hein. 1993, hein. Et puis toutes les années d'avant, hein, magnifique. Et puis au grand bonhomme que c'était, quoi, hein, c'était un modèle. Mais écoutez, je pense fort à lui, quoi, il va nous manquer. Hein. Je pense que prochain match à domicile, il va avoir un sacré hommage. Il y avait déjà des banderoles au dernier match. Voilà, il est dans le cœur de tous les Marseillais. Et puis bon, bah, c'est une figure française que tous les Français n'oublieront pas.